Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, armé, sabot, ça coupe par pain, de crosse et de crasse. DNA les gars, au morse en mode une balle. Les gars, ça fait plaisir. C'est ma dernière DNA au sniper dans ce mode de jeu. Je crois que c'est ma deuxième, ouais, c'est ma deuxième au mode à une balle. J'ai déjà fait la DNA au morse à la mire. Et là, j'avais tenté au DNA à la morse, pardon, en mode normal avec le zoom normal, quoi, classique. La petite difficulté de ce genre de gameplay, ben, bien évidemment, c'est qu'on n'a pas de pillard et que les ennemis. Quand ils mettent un drone, vous êtes visible parce que tout le monde est visible sur le drone en mode une balle. Il n'y a pas, on ne peut pas mettre de fantômes, c'est des classes qui sont prédéfinies. Donc en fait, au début j'avais fait une petite série de 13 et je vais mourir bêtement un petit peu comme d'habitude quoi. Et après je vais enchaîner une belle série de 31 kills au morse. Vraiment super gameplay, franchement c'est un de mes préférés au sniper. J'espère que ça vous plaira les gars, n'hésitez pas à mettre un max de like si vous aimez voir Tonton au sniper. Parce qu'en ce moment Tonton il a pas beaucoup de temps de jouer, ça fait, je vous dis la vérité, ça fait presque 7-8 jours que je n'ai pas joué à la console. Entre cette canicule, parce que bon, je suis peut-être dédicace aux gens du Nord, mais à ce qui paraît il fait beau chez vous là-haut. Mais chez nous en bas c'est la canicule, que vous pouvez voir Tonton il est posé, tout ça, il a pris plein de coups de soleil. Il fait une chaleur de folie au travail, c'est la galère. Toto il coule des gouttes comme ça avec les chaussures de sécurité et tout, en plein cagnard et tout. Franchement, c'est chaud. Bah, y a un petit peu la clim des fois quand je suis dans le magasin, mais sinon, souvent je suis en réserve dehors et c'est en plein cagnard. Là, je vous fais la vidéo. On est dimanche, j'ai passé un week-end de folie. Je suis allé à la plage, j'ai bringué, apéro, bon, bref, un mois de bordel. Lundi, je travaille. Ils ont annoncé la canicule, je suis blasé. De savoir que je vais couler des gouttes au travail, mais bon, c'est pas grave, c'est de la vie, c'est comme ça, les gars. Petite nouvelle aujourd'hui, je vous annonçais, je viens d'écouter ça tout à l'heure, Kebou a sorti un freestyle 4 sur sa chaîne. Donc, les gars, n'hésitez pas, pour ceux qui ont aimé Advanced Punchline, d'aller soutenir un petit peu Kebou sur sa chaîne, qui fait du super travail au niveau de ses chansons rap. Il a sorti le freestyle 4, il y a même pas. Enfin, là, on est dimanche soir, donc c'était 8h30. Ouais, voilà, je fais le commentaire, c'est 8h30. Il a sorti vers 8h, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Kebou officiel et vous lui mettez un petit like, ça lui ferait plaisir et ça le remotiverait. Enfin, je dis pas qu'il est démotivé, non, au contraire, ça le remotiverait pas, il est déjà motivé. Mais ça le. Voilà, ça lui montrerait que la communauté de Tonton, elle est là. Donc, pour tous ceux qui ont aimé Advanced Punchline, les gars, vous allez aimer le freestyle. Et bien sûr, ce qui est la plus grosse nouvelle de tous, c'est que Kebou a fini son de GTA, c'est-à-dire que vous avez proposé un Advanced Punchline sur le thème de Advanced Warfare. Là, il a fini le son de GTA, c'est une boucherie. Voilà, donc ce sera avec un montage sur des images de GTA. Voilà, ça annonce du très 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 lourd pour cet été, les gars. Vraiment. Je vous ai fait. Moi j'ai entendu la chanson, je vous en dis pas plus, mais c'est une boucherie, c'est une tuerie. Il a donné quelques extraits sur ses lives sur Twitch, donc pour ceux qui veulent aller peut-être avoir des infos à l'avant-première, allez faire un tour sur sa chaîne Twitch. Des fois il est sur son Facebook ou Twitter, il marque qu'il est en live et il lâche un petit peu des refrains ou des couplets de sa chanson. Vraiment moi pour ça, en ce moment Twitch, j'ai vraiment pas le temps les gars. En plus honnêtement j'ai eu pas mal de petits soucis avec PayPal et tout ça par rapport à des dons que j'ai eu qui ont été refusés, je sais pas quoi, il faut que je rembourse des dons. Je vous dis franchement la vérité, ça m'a un peu déçu de certaines personnes qui s'amusent à faire des dons et qu'après ils signalent le don comme quoi ils n'ont pas fait exprès ou je sais pas quoi. Bref, c'est un débat où je ne vais pas rentrer trop là-dedans. À part ça, le monde part en couille complet, frère, on retrouve un mec avec la tête sur le portail, coupé en deux. L'autre qui se croit dans GTA, il va sur la plage, il flingue tout le monde. C'est un monde de tarés, j'hésite à faire une vidéo là-dessus, je voudrais en parler un petit peu de tous ces trucs de ouf là, ça me prend un peu la tête. Mais j'hésite un peu parce que c'est des sujets assez sensibles quand même, et après c'est pas évident parce que les gens ont un petit peu de mal
va dire, ils ont chacun sa propre idée sur le sujet. Et c'est pas évident de rentrer dans un sujet et de donner son avis. Mais c'est vrai que le monde en ce moment part en couille, mais un truc de dingue, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Tu vas en vacances tranquille, sur ton transat, tu prends le délire d'un gadjou, d'un étudiant. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est rené, quoi. Le mec, il est là, il fait le warrior, il tire sur 38 personnes, pas armé, en maillot de bain, quoi. Tu vois, va faire le djihad, tu veux faire le fou, va faire la guerre, quoi. Tu vois, va tirer contre des mecs en décalage. Enfin bref, voilà, c'est vraiment nul. Monde qui fait, voilà, tu vois, la Grèce part en couille, les attaques islamistes, ça part en couille aussi, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment, en ce moment, ça part en couille, je sais pas, on a un bon monde, et je sais pas, les gens, ils partent en couille sur tous les côtés, je comprends pas le délire. En tout cas, les gars, regardez un peu ce suspense, série 25, franchement, cette DNA, ça m'a fait plaisir de la faire, parce que, et ce sera la dernière, je pense, parce que je joue plus en mode une balle, je joue plus beaucoup à Advanced Warfare. Pour vous dire, j'ai même pas fini mes 30 prestiges, je me suis arrêté au 27, je crois. Franchement, je rentre du travail, je suis fatigué, j'ai même pas envie de jouer et tout. Ça va revenir, hein, je pense, avec Black Ops 3. Putain, Black Ops 3, les gars, en ce moment, je vois des gameplays, un petit peu de Skyros, là, vous savez, des petits gameplays au sniper de Black Ops 3. Et ça donne envie parce que, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal sur ce Black Ops 3. Et ouais, ça a l'air, je sens bien, comme je disais dans la vidéo précédente, ça a l'air vraiment pas mal. Hâte que cette putain de bêta sorte, je pense que vous êtes nombreux abonnés. Il y a un abonné qui m'a envoyé un message, il m'a dit tonton, j'ai réservé la bêta à Rick pour tomber contre toi et essayer de casser les fesses. Alors ça m'a fait rire parce que je reçois énormément de messages sur Facebook en ce moment, mais je n'ai pas le temps de les lire. Franchement, la dernière fois que j'ouvre mon Facebook, j'avais plus de 300, je sais plus combien, mais bref. J'ai lu les deux derniers, mais je me suis dit, non, je ne peux pas cliquer sur 380 messages, les gars. J'espère que vous me comprendrez. Et ce qui surtout dans cette vidéo, ce que je vais annoncer, ce qui va être un petit peu difficile, je pense, pour vous et pour moi aussi, c'est que là, vendredi soir, qui arrive, là, donc fin de semaine prochaine, j'ai ma fille pendant 15 jours. Et en plus, je travaille, je vais faire plusieurs magasins cet été pour faire des remplacements de vacances. Donc pour moi, c'est une galère énorme d'avoir ma fille, enfin, pas d'avoir ma fille, parce que moi, ma fille, je la kiffe d'avoir, tu vois. Petite DNA, les gars, ça fait plaisir. Mais c'est juste que voilà, ça va être tout juste infernal. Travailler, aller chercher la petite amie, la ramener, faire des vidéos, tout ça, passer du temps avec ma fille après le travail. Donc je pense que cet été, pendant les 15 jours là, il risque peut-être d'avoir une petite trêve au niveau des vidéos. J'essaierai peut-être, pourquoi pas, de vous mettre un petit live au sniper sur la map Terrasse. Avec ma team OCB, on était en live, donc ce serait une rediff d'un live un live de Twitch. Donc il y aurait Mickey, Linaya, je crois il y a Jordan dedans. Enfin voilà, peut-être je vous mettrai ça pour faire la petite coupure pendant les 15 jours où j'ai ma fille, histoire de, voilà, d'avoir de la marge. Voilà, sur ce, la vidéo est déjà finie, putain, c'est vite passé. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, ma vidéo 40 000 abonnés, une belle DNA à la Speakeasy. Un beau gameplay sur Black Ops 2 à la LSAT en mode rush, LSAT en assaut nucléaire, en mode bordel sur la map Red d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vous dis bonnes vacances à tous parce qu'il y en a nombreux qui sont en vacances, tous ceux qui ont passé les diplômes et tout. Je crois que c'est la fin plus ou moins, ou si c'est pas la fin encore, bientôt ce sera la fin. Donc je vous dis déjà bonnes vacances. Il va y avoir la grosse canicule, ça va être la fête pour tout le monde cet été, même ceux qui travaillent, et ceux qui travaillent comme moi, je pense que certains en auront des vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous, un bon courage pour ceux qui taffent lundi, enfin mardi, enfin tout le temps quoi, en plein avec ce cagnard énorme. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rendez-vous prochainement pour le son de GTA, de Kebou les gars, franchement ça va déchirer. J'espère que ma communauté sera présente pour lui mettre un gros coup de pouce sur cette vidéo. Et encore merci pour les 230 000 vues sur Advanced Punchline, vraiment ça fait plaisir à tonton et... c'est énorme, voilà, c'est énorme. Cette chanson, j'ai voulu l'écouter tous les jours, elle me met les frissons tous les jours. Et je pense qu'à nombreux d'entre vous, elle vous motive pour jouer à la console, pour aller travailler, dans le bus. Enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir tous ces petits détails. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous. Voilà, que du bonheur. Et je vous dis ciao les gars!